Hey, salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve aujourd'hui pour continuer The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Je tourne à la suite parce que j'ai envie de continuer et que j'ai le temps, surtout, c'est ça le plus important, c'est d'avoir le temps. J'ai envie de continuer notre aventure sur ce jeu. On va se rendre au niveau du volcan Nordine, donc pour ça il faut commencer à aller au village Cocorico, apparemment. Avant ça, on va faire quelques petits smoothies. Histoire d'avancer la quête des smoothies. J'en ai combien dans mon inventaire? Alors je vais peut-être en consommer sur tout cela. Histoire de libérer de la place. Peut-être que je vais en vendre en fait aussi. Ce serait une petite idée. Ça fait quoi ça? Elle permet de remonter les automates plus vite. Ah! Heureusement que j'ai jamais regardé avant, je me serais spoil. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette histoire d'automate. Il me semble que je l'avais vu dans un trailer, mais. C'est vrai que j'ai totalement zappé après. Allez, ça. Je sais pas à combien de boissons j'en suis de fait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15. On va en faire 5 de plus. Je pense qu'on va essayer de les faire maintenant, histoire que ce soit fait. Je mélange des trucs au pif. Ouais, mais ça fait pas de recette en fait. Ouais, enfin, c'est un truc de base quoi. Déjà, je devrais faire le truc de base de mettre deux fois les mêmes ingrédients ensemble en fait. On va faire ça, comme ça au moins c'est des recettes faciles à faire, elles sont faites. Ah merde, j'ai déjà fait. Non, non, non! Celui-là je l'ai jamais fait. Ouais, mais je dois l'avoir déjà fait, ça c'est un truc. D'une logique à faire, quoi. J'ai pas trop compté à combien j'en étais là de trucs. Oh, deux cristaux de sel. Ouais, il augmente la quantité d'énergie restaurée. Je pense que ça sert à rien d'en mettre deux. Oh, c'est joli. Bon, je dois pas être loin là. Il va me le dire dans pas longtemps. Il y a des recettes, faut que j'arrête de les faire. On peut vendre? Ah oui. Ah oui. Ah, mais qu'est-ce que je te vends? Ah, qu'est-ce que je te vends? Qu'est-ce que je te vends? Vitesse d'ascension. Temps de plongée augmenté, ça ne sert à rien. Ça rend rien en vie. Résistance à l'électricité, on s'en fout. Ça rend beaucoup d'énergie. Ça rend que deux cœurs, ça dégage. Bon, je suis à combien de recettes de smoothie là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bah, j'en suis à 20. Et j'en suis clairement à 20. Ah, mais il en veut 20 de plus, il en veut 30 en fait.
Ça, c'est 9 à créer. Ah oui, ok, bah une autre fois alors. C'est consomme mes smoothies un peu là pour. Allez, vitesse de nage augmentée, let's go. Ça me sert à rien. Ouais, faut que je les consomme mes smoothies. Hein. Bon. Ah, votre Altesse, je suis en train d'inquiéter sur les failles sur ordre de Sa Majesté. Et après ce qu'on dit villageois, des failles se seraient ouvertes sur le volcan d'Ordine et au village Gouron. Et Gouron qui vit sur le volcan en souffrirait beaucoup. Des bonnes pattes, ces Gourons, on se fait de soucis pour eux. J'ai entendu dire qu'ils avaient changé de chef récemment, mais je ne sais pas trop ce qu'on peut faire pour eux d'ici. Ouais, on aimerait pouvoir aller les aider, mais faut être réaliste, on n'est pas assez entraîné pour se lancer dans une ascension aussi dangereuse. Et c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Des Gourons savent sûrement quelque chose au sujet de la faille. Bah oui, on va aller les voir. Ouais, d'accord. T'as pas l'air très joyeuse, madame. Où est-ce qu'il est bien pu passer? Oh, dis-moi, jeune fille, aurais-tu un peu de temps pour écouter la requête d'un vieillard? Drôle que je n'arrive pas à retrouver mon chat. Et tu traînes avec les autres chats du village d'ailleurs. Ils savent sûrement où il est passé. Oh, sinon j'avais une tenue de chat. Une tenue de chat? Une étrange tenue qui permet de comprendre le langage des chats. Ils en vendaient une à la boutique du village, mais une jeune fille l'a achetée sous mes yeux. Elle va en boutique en ce moment même. Je ne peux tout de même pas lui demander de me prêter la tenue qu'elle vient d'acheter. Comment je vais faire? Ah. On va aller voir ça. Oula, ça va? Il vient de laisser tranquille. Ah, il a été dans une faille. A disparu autrefois, il s'est baptisé comme on dit et il est comme ça depuis son retour. Les gens ne savent pas comment le guérir, mais moi j'ai bon espoir que son état s'améliore un jour. Mais d'ailleurs, ça aussi, hein, c'est une autre histoire dont j'ai l'impression que beaucoup de monde se fiche. Des gens, certaines personnes, quand elles reviennent des failles, elles sont un peu. Bah, étranges. C'est peut-être ce qui va arriver à Link. Ah, ok, je prévois le scénario du jeu. On va sauver Link, sauf qu'il va être dans cet état-là quand on va le sauver. Et il va falloir qu'on trouve comment guérir les gens de cet état. Voilà, je tente une explication de scénar à venir. C'est un super aventurier avec son épée, il a promis de revenir jouer avec moi. Ah, Link, ouais, c'est pas pour tout de suite. Ah, mes petits trésors, ils sont pas mignons. Ça m'a fait se faire engloutir par une faille au jour. Mais un petit gars coiffé, un capuchon, il a sauvé. C'est un moment que je l'ai pas vu d'ailleurs. J'espère qu'il lui a rien arrivé. Attendez, la fille de la boutique, du coup, c'est à droite, en fait. Comment? La tenue de chat? Oui, c'est bien moi qui l'ai acheté. Quand j'ai appris qu'elle permettait de comprendre le langage des chats, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. J'avais complètement oublié que dès que je m'approche d'un chat, je me mets à éternuer. Demain, je vais aller directement dans mon placard. Une chat intéresse? Voyons. Dans ce cas, est-ce que tu voudrais bien me rendre un service? Je te la donnerai. Tu vois ce chat là-bas? Oui. J'entendrai quelque chose de très important juste en dessous de lui. Tu voudrais bien éterrer ça pour moi? Ce chat ne va pas bouger et dès que je m'approche de lui, je me mets à éternuer. Désespérant. Là, tu pourrais peut-être l'attirer à quelque chose que les chats aiment? Du poisson! Ok, je suis dessus. Oh, il ronronne! Ah non, c'est le. Pas du tout, c'est le moulin. Sinon, ça va? Le poisson. Parfait. Putain, la musique, c'est un remix de Village Cocorico de Karine Aftai. Il y a un passage qui m'a vachement parlé. Non, à côté. Oh! La canette secrète, elle pèse son poids de rubis. Ah, j'ai cru que c'était genre une grosse bourse. Canette secrète, tu me sauves la vie. Tiens, je te l'échange complètement. T'as enterré pour m'empêcher de faire trop d'achats impulsifs, mais j'étais bien embêté de ne pas pouvoir déterrer. Aujourd'hui, l'interdiction est levée, merci.
Tenue de chat, c'est quoi cette connerie encore? Ah, magnifique. Cherche un chat. Chat qui habite chez le vieil homme, aucune idée de mon collègue, ils pourront peut-être te renseigner. Il y avait un chat là-dedans. Mamie aussi me comprend. Quand je dis que je l'aime, elle sourit à tous les coups. Oh, c'est mignon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres chats ici? Ah, voilà. Cherche un chat. Chacun habite chez le vieux? Je sais pas, je l'ai pas vu aujourd'hui. Mais peut-être que les autres chats pourront t'aider. Oh non, va y avoir une quête, faut ramener les cocottes. Oh, ça va être génial. Attends, je m'occupe d'abord de la quête du chat et on en parle après. Regarde, je fais tourner le moulin à vent. Bah non, en fait, c'est le vent qui fait tourner. Il con. C'est totalement bête, un gosse, hein, c'est incroyable. Comment ça, je prends tout premier degré? Ah, mais je sais pas où est-ce qu'il y a d'autres chats en fait. Moi je veux bien, mais. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a d'autres chats. Bon, on va faire la quête des cocottes là, parce qu'il y a sûrement une quête avec des cocottes. Les cocottes, pourquoi vous ne rentrez pas? Ah, toi là, tu ne devrais pas m'aider. Ce matin, mes cocottes sont échappées de leur enclos tout à coup. Et maintenant, elles s'enfuient dès que je m'approche d'elles, alors qu'hier encore, elles étaient toutes gentilles. Peut-être qu'elles sont dans la phase rebelle. Bref, si tu trouves des cocottes dans le village, je voudrais bien les remettre dans l'enclos. Il y a 5 cocottes. Ah, mais on est tellement dans de la référence. Vous me direz. Breath of the Wild l'avait fait aussi, ça. Mais c'est tellement un classique de Zelda, cette quête, que. Ils la remettent partout maintenant. Le chat qui habite chez le vieil homme. Je ne sais pas, je prenais un bain de soleil. Peut-être que le chat qui se trouve sur le moulin à l'ouest, c'est quelque chose. Ah, il y a un chat sur le moulin à l'ouest. De une. Il y en a une en bas aussi. De deux. Et est-ce que comme dans Ocarina of Time, on va avoir un flacon en récompense? De 3. Et là, c'est le moment où je sais pas où sont les autres. Là, je sors du village, donc pas ouf. Ah, attendez, il y aurait un chat là-haut. Ah oui. Chat qui habite chez le vieux, j'étais justement avec lui tout à l'heure. Tu vois la route qui part de la sortie est du village et est monté dans un arbre en bordure du chemin pour faire la sieste. Il a un sommeil de plomb, alors je suis sûr qu'il est encore en train de pioncer. D'accord. Là, oui. Là, c'est la musique de. De Ocarina of Time. Petit fragment caché. Qu'est-ce que tu fous là, toi, par contre? T'es censé être en bas. Ah, bon, j'en ai 3, par contre. Sur 5. Ah, attendez, peut-être dans une caisse. On peut... Ouais, voilà. Aller là-dedans. Sont géniaux les trésors de ce jeu des fois. Enfin, dis donc à la place d'avoir des raisins, j'aurais préféré avoir des rubis quoi. Bah là les cocottes. Ah, il y en a une là-haut. Nanana. Pas du tout.
Mon bol. Bon bah il en reste plus qu'une. Hein? Mais Anaïne, elle sort d'où? Celle qui était en haut, c'était pas une qui était dans l'enclos et qui avait genre escaladé? Ah d'accord. Bon bah ok. Tout le monde m'appelle voyageuse alors que je suis la princesse Zelda quand même, ça fait très mal. C'est vraiment difficile quand il s'agit de nourriture. Laisse-moi te donner ceci. Un flacon, je l'ai dit. C'était tellement évident. Si d'un point élevé, un ton de cocotte, ouais, tu peux voler. C'est dommage qu'on puisse pas avoir un écho de la cocotte. C'est tellement évident que ça va être un flacon la récompense. On est dans la nostalgie depuis tout à l'heure. Oh, ça me parle ce. Cette petite chouette, ça me dit quelque chose. Bon, du coup, le chat. Donc vers là et dans un arbre. Ouais, mais loin? Il va quand même pas être si loin que ça. Attendez, je vais aller leur parler. Il m'a dit dans un arbre à l'est. Ah non, à l'ouest ou à l'est? Ah, c'était peut-être à l'est. Je me gourre peut-être là. Est du village, pas ouest. Ouais, enfin, est. Y a pas mal de. Y a quand même pas mal d'arbres, quoi. Ah, y a un gars pour la course au gland, là. Ah, j'ai cru voir la fameuse forêt dont on m'avait parlé une fois. Oh, je les déteste, ces piafs à la con, là. Alors, faut que je continue tout droit. Ah, ok. Ah, attendez, il y a une petite grotte, là. Oula, oula, oula. Je peux avoir un écho de... Je sais pas trop quoi. On a épine. Ouais, ouais. Par contre, bouge, 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 bouge. Aïe. J'ai absolument pas... Genre, construit devant. Attends, on va prendre... prendre ça, sinon... Trop fort. Pourquoi je me fais chier en fait? Ah! Ok, par contre j'ai vu qu'il y avait un chemin en haut. Non, 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 mais dégage, dégage. Oh, mais j'en ai marre. Ah, faut arriver depuis en haut. D'aller voir un trou à l'extérieur.
D'accord, trop drôle. Ah oui, je vois le trou. Ok, on va aller chercher ce quart de cœur, ça va nous soigner en plus. À côté. On a une boule trop mignonne avec cette tenue. Ah, un cœur en plus! N'empêche, on doit bien compléter le jeu là parce que... Il va y avoir au moins 3 boss, ok. On va donc gagner 3 cœurs en plus. Il m'en manquera que 5. Peut-être même qu'il y aura d'autres donjons encore derrière. Donc j'ai l'impression qu'au niveau quart de cœur, on se débrouille pas trop mal. On sait combien on en a récup. 20. On a récupéré 20 quarts de cœur. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Je marche sur le vide, bonjour. On est hyper bien là, qu'est-ce que tu veux? Ah, papy me cherche. C'est vrai que j'étais trop bien, un peu trop longtemps. En plus j'ai faim, je vais rentrer manger. Ah, c'est parfait ça. Bon, et nous on avancera à la quête principale après, parce que là on n'avance pas. Oh, c'est toi, regarde ça, mon chat est rentré. Oh, c'est toi, n'est-ce pas? Tiens, n'est-ce pas, donner ça pour te remercier. Mais vous avez tous que des raisins à me donner dans ce patelin de merde. Bon, au moins, on a eu la tenue de chat. Ça, c'est déjà une des choses les plus importantes de la quête. Par contre, on va l'enlever parce que c'est bien sympa, mais on se tape la honte. C'est quoi là-dedans? Oh là. Bon, il y a un sabre à avoir ou je sais pas quoi là. Les recrues? Non, non, ne me réponds pas tout de suite. Écoute d'abord ce que j'ai à te dire. Ici au donjon du dodo, le seul endroit au monde où on peut s'entraîner dans ses rêves. Quand je dis s'entraîner, ne va pas imaginer quelque chose de compliqué. C'est très simple. D'abord, je te montre un rêve. Pas n'importe quoi, bien sûr. Un rêve fabuleux inspiré de ta propre vie. Ensuite, toi, dans ce rêve, tu dois vaincre tous les ennemis qui s'en prennent à toi. Ça, c'est la partie entraînement. Pour chaque séance d'entraînement, tu disposes d'un temps limité. Si tu parviens à finir avant la fin du chrono, tu repars avec une récompense. Tu peux arriver comme tout se passe dans tes rêves, quand tu te réveilles, tu retrouves le monde tel qu'il était avant que tu ne t'endors. Et en plus, si tu rejoins le fameux dojo maintenant, tu pourras t'entraîner sans débourser le moindre rubis, t'entends, hein? Mais ce n'est pas tout! Si tu réussis à finir dans les temps un nombre suffisant de séances, tu repartiras avec un prix tout simplement fabuleux! Oh, c'est plus de mon âge de parler autant. Alors, qu'est-ce que tu dirais d'une petite séance d'entraînement? Allez! Bataille scellée, la revanche des rebonds d'atout, acrobatie sur l'eau, bataille scellée. Et puis, oula, 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 oula. On va commencer par ça. Ferme les yeux. Sens cette force qui te parcourt. Je ne dispose que mon set. Ton expérience et les objets en ta possession seront inutilisables. Il me brûle. Ah, du coup, tu peux mémoriser. Vas-y, lance là avant que. D'accord. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que ça allait taper la pierre. Ça va, vous, sinon? Vas-y, lance un peu ta lance, là, que je m'apprenne dans la tronche. Bien. Ok, bon. Thank you.
Non! Attendez, je vais le faire tomber dans le vide, tu vas voir. Est-ce qu'on peut, genre, la déterrer en faisant ça? Ah, c'est trash. Ah, fais-toi bouffer. Sérieux? Mais pourquoi j'ai pas... Ok, j'arrivais pas à accéder à ma liste d'écho. Parce que j'avais cru en fait. Oui, c'est tout aussi simple que ça. J'ai jeté les autres dans le vide. Bon, on va peut-être pas faire tout ça maintenant parce que... Tu montes encore un entraînement. On pense abuse. Ouais, bon. Il y a un tas de trucs. Ok. On va faire une dernière fois parce qu'il a dit qu'il y avait une récompense si on faisait un entraînement de plus. Mais après, on avance la quête principale. Hein. Il serait temps quand même. En revanche, des rebonds d'atouts. Mais alors, ça va être génial ça. Ça, c'est trop bien. Les rebonds d'atouts. Ce qui me donne le rebond d'atouts niveau 3 si j'y arrive. C'est quoi si j'appuie sur le bouton? Oh shit! Oh merde! C'est une erreur. Je sais pas si c'était bien de faire ça. Ah mais au pire je peux me transformer en fait. Bon, c'était pas une bonne idée d'ouvrir à gris, on le saura, mais... Bah bon, j'y suis arrivé donc voilà, mais... Génial, c'est pourri encore. C'est pourri encore. Un quart de cœur, comme ça, pour avoir fait juste deux entraînements. Bon, ouais, par contre, là, on va s'arrêter, mon gars. Parce que c'est pas que je suis presque à 30 minutes d'épisode et que j'ai toujours pas avancé la quête principale, mais un peu quand même. Donc, on va aller vers la montagne. Ok. D'ailleurs, faut que je note. Il était. Où je crois qu'il était là. On va mettre ça. Il y avait le gars des glands. Donc je me le note. Pas oublier qu'il y a un petit mini-jeu à faire ici. Oh, je sens que la musique elle va être sympa. Oh, je kiffe les couleurs. La couleur de la lave, la roche super grise. Oh, je kiffe les couleurs. Cette montagne est immense. Je vais pouvoir créer une entrée dans la faille quelque part. Mais reste encore à trouver où. Où vient se trouver les gorons dont paraissait Jean tout à l'heure. Moi, je vais essayer de les esquiver parce que je vous avoue que... C'est chiant. La musique me fait penser à la version bizarre ici, la version du volcan d'Ordine de Skyward Sword. Est-ce qu'il y a un truc ici? Oh là, mais il y a l'air de pouvoir y avoir beaucoup de choses à faire. Hein. Je vais retourner au niveau de la grotte. Je pense que les deux entrées de grotte là se relient entre elles.
J'ai envie de tester un truc. Je me trompe totalement de touche, bonjour. Ça marche bien. Mais ça marche super bien. Ce qui est bien, c'est que tu peux la mettre sur un point surélevé. Et semblerait-il que... Bah, elle ne puisse pas être attaquée du coup. C'est génial. Ça a l'air cool. Tomate, ça a l'air vachement cool. De toute façon, moi j'ai toujours été très fan dans les jeux. Les délires d'invention. Je sais pas, genre faut combiner des trucs ensemble et tout. Faut avoir des objets en particulier pour pouvoir créer des trucs encore plus puissants. J'ai toujours kiffé ce système. C'est pas, on te dit pas faut que tu ailles chercher ça là-bas ou il te faut tel truc particulier. Non, c'est vraiment soit il me faut effectivement tel objet particulier, mais je ne te dis pas où est-ce que c'est. Oh, t'es les Alphos, ou alors je te donne juste une description. Je suis sûr que l'os peut le tuer. Il est en train de se faire dézinguer, les Alphos. Bon, c'était pas prévu, mais l'espèce de lima, ça m'aide assez bien là. Les Alphos. Et une larve. Un feu visqueux. Qui peut être utile, peut-être. Est-ce que c'est folle les Alphos? Oh, attendez, moi j'ai envie de tester un truc. Venez, descendez, descendez. Allez, descendez quoi. Oh, c'est super grand en fait. Oh merde, okay. Allez-y, foncez. Moi je m'attendais à ce que ça fasse genre 4 de large quoi, vous voyez. Ok, alors ça peut être super fort ça, parce que bah, ça avance tout droit sur une très grande rangée. Par contre, ça coûte cher déjà, et en plus c'est très très grand. Quand tu le vois en 2D, t'as pas l'impression que c'est si grand. Un point de TP. Là, il y a un mur à faire péter. Qu'est-ce donc ? Une fleur féerique. Avec cette fleur, doux parfum des fées apparaissent rarement quand vous coupez de l'herbe. Ah, c'est un accessoire, ok. Alors, c'est pas trop le genre d'endroit où je me serais attendu à trouver une fleur féerique. mais cool. Ça peut être très bien ça. Si on en a plus et qu'on veut en farmer, espérer en avoir. Je me dis ce jeu. Alors moi j'aime beaucoup faire des Zelda Wind Waker Randomizer. Je me dis ce jeu en randomizer, mais qu'est-ce qui peut être drôle? Randomizer, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un truc où... Bon, vous pouvez mettre les options que vous voulez, mais dans l'idée principalement, toutes les récompenses que vous obtenez sont aléatoires, elles sont mélangées entre elles en fait. Et alors je parlais de Wind Waker parce que c'est celui qui pour moi est le plus adapté pour ça. J'avais fait Ocarina of Time aussi, mais je l'avais lâché en plein milieu. Alors que pourtant, on ne me sentait pas si mal.
Mais ouais, ça peut être super drôle pour ce jeu. Je peux juste passer comme ça. Par contre, je vois. On peut sauter. Faire ça. Quart de cœur là. Génial! Et ouais, ce jeu il doit être super drôle en randomizer. Avec tous les échos. En plus, t'as plein d'accessoires qui te donnent des bonus différents. Le truc, c'est que moi j'aime bien faire du randomizer en versus. J'en avais déjà parlé il y a longtemps. Je faisais des versus avec Dodo sur Wind Waker. On a écrit tout un panel de. Un panel, c'est pas le mot, je pense. Si. Un barème, voilà, un barème de points. On va passer par là. Genre, fallait faire ça, machin, bidule. On va trouver un objet de gagner un point. Enfin, voilà, bref, voilà. Ce serait compliqué à expliquer comme ça, mais. Bref, on avait fait un petit truc sympa en versus. Alors sur ce jeu, ça pourrait être super drôle, mais il y joue pas, je sais, donc... Ça passe par-dessus le vide, si je suppose, non? Oh, mais c'est super fort. Oh non, il est tombé dans le vide. Ah, ça va. Merci. Écho de Wumpy. Ah, ceci est un ratage. Alors, comment on fait ça bien? Peut-être rester dessus. Non, il me pousse. Si je le porte, il peut me. Oh oui, c'est vraiment ça en plus. Wouh. Ah merde. Ah merde. Il peut me propulser. Oui. Il peut te propulser et te faire avancer beaucoup plus vite aussi. Oh, c'est génial. Ok, on a trouvé une manière de. Une méthode de pouvoir se déplacer rapidement maintenant. Est-ce que je peux te porter, s'il te plaît? Ah, bordel! J'ai un peu trop abusé. Ok, génial. Et je comprends pas ici. Plus à droite, qu'est-ce qu'on a? Un coffre là-haut. Putain, le feu. Ça m'a l'air d'être peut-être la suite, si. Enfin, je sais pas. Attendez, il dit quoi le panneau? Ok, ouais, bon, il dit vraiment que en haut c'est village Goron. Oula, il y a des trucs qui pètent. Ok, de quoi cette épée? Il y a beaucoup de chemin. À gauche, à droite, là. D'ailleurs, j'étais proche d'une faille. On va essayer d'y retourner. Parce que là, on arrive au niveau du village. On est à la suite du jeu. Allons-y. Allons sauver le monde encore une fois. Il y en a 5.
rien lui faire de particulier comme ça. Rends-toi ça! Ok, donc ça se joue beaucoup avec ça, semble-t-il. Mais ils sont trop bien, ces gars! Oh non! Sauf quand tu me fais aller trop vite, là. Ah, tombe dans le vide, là. Ok, il y en a un là. What? Oh, c'est un magicien! Alors par contre, comment je vais m'en prendre à lui là? Je pense qu'on va y tirer à l'arc dessus. En fait, faut mourir un jour. Ah, je pensais pouvoir planer. Ah, alors là, par contre, là, ça fait des dégâts quand on tombe dedans. Ah, faites très attention, très attention. Est-ce qu'on peut créer de l'obsidienne? Attendez. Merde, comment je vais chercher ça, moi? Oh, oh, il a failli me pousser. Oh, je vais tomber. Écoute, sorcier de feu. Oui, non, mais... j'ai pas eu le temps de réagir. Bon, on peut pas créer d'obsidienne, du coup. Je suis très déçu. Oh, c'est un nouveau type de Torok, ça, non? Génial. Ouais, c'est ça. Alors, attendez. On va essayer de foncer devant, là. Parce que je peux juste pas y arriver comme ça, en fait, non. Non, mais même, en fait, porter, ça m'arrange pas du tout. Oh, ça va s'arrêter par le vent. Juste faire ça, en fait. Je m'emmerde pour rien. Dans cet épisode, je trouve que je m'emmerde pour rien. Très souvent, par moments. Merde, mais t'es chiant là, tu t'es foutu dans un endroit, mon gars. Est-ce qu'il peut te rejoindre, lui? Oh, tu m'as fait quoi là, mon gars? T'es chiant. Attendez, si, on va l'écraser. Ça ne marche pas. Oh, mais t'es chiant, t'as voulu faire ton intéressant là. Ah, mais il me le pose tout en haut. Pourquoi? Oh là là, j'arrive à rien. Là, c'est l'épisode de la galère. Il en faut un. Eh bien, c'est aujourd'hui. Non, mais non, attendez, on va réussir à... faire en sorte que les choses se passent bien un peu. En cette fin d'épisode. Enfin, d'épisode. Pourquoi je dis ça? On a combien de temps? Ah ouais, on est pas loin de fin d'épisode, en fait. Oui, effectivement.
Ok, le dernier. On y arrive. On y est! Oh, la galère pour pas grand-chose ici. Oh, le truc de ouf. J'ai bien aimé galérer pour rien. Parfait. Tour de chaude qui doit nous soigner. Ah, c'est bien. On pourrait peut-être créer des blocs de source d'eau chaude. Ça serait rigolo. Très bien, on va aller au niveau de Village Goron. Y'a quoi là? Y'a absolument rien. On m'envoie des bombes dans la tronche, ok. Ce sera un mystère à résoudre pour la prochaine fois. On va aller vers l'entrée du Village Goron et on s'arrêtera là. Voilà. J'en ai décidé ainsi. Et si vous n'êtes pas content, et bien vous verrez l'épisode prochain. Voilà. Okay. Avant, on va aller récupérer ce tampon. Allez, on va parler au Goron. Quelle histoire, mais quelle histoire! Zelda, tu crois que c'est un Goron? Oh, une Indienne, bienvenue au Village Goron. Mais c'est pas le moment d'échanger des politesses. Une faille s'est ouverte soudainement au village, mes camarades ont été engloutis. Et comme si ça suffisait pas, Darston y est passé aussi. Il a approché de la faille en craint, il pouvait tirer de là, et paf, il s'est fait engloutir. Pauvre Darston, dire qu'il venait juste de devenir chef. On va refermer cette faille. Comment on pensait pour refermer cette faille? Ça peut les sauver, il faut pas hésiter. Venez, suivez-moi. Eh bien, parfait. Bien, écoutez, nous ferons ça dans le prochain épisode. On explorera toute cette montagne, toutes les choses qu'il y a à faire pour la quête principale, quoi, tout simplement. Donc, on fera ça. Et j'espère que cet épisode-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite d'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.